Hey yo tout le monde, 5 euros aujourd'hui sur Minecraft et donc aujourd'hui on va visiter une ville futuriste. Voilà, donc je vais pas tout vous spoiler, je vais essayer de tourner bien vite. Oh oui, j'ai réussi, voilà. Donc cette ville qui a été créée par un youtubeur québécois, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, il s'appelle Zimo. Elle sera dans la description, voilà, je parle très mal. Et aussi vous pouvez aller la downloader dans la description si vous voulez la visiter, voilà. J'ai jamais vraiment visité de ville futuriste, bon, en fait j'en ai jamais visité, voilà. Ça a une première pour moi, il y a une première à tout. Je sais pas trop où commencer. Vous voyez la grandeur de la ville qui s'étend à perte de vue, voilà. Les chunks se chargent, voilà. Donc on va commencer, on va visiter ce petit quartier très sympa. Donc il y a des gratte-ciel partout, je sais pas. Voilà, donc regardez, ici il y a un petit building 4S, un iPhone 4S, voilà. Je dis n'importe quoi. Ici il y a une petite passerelle, donc on va essayer de voir au sol aussi ce qu'il y a de très beau comme ça. Ici un monorail. Un petit plaza. Donc ici c'est très sympa, voilà. On va. Ok, il y a encore une tour qui fait en translation. Ok, d'accord. Waouh, ok, d'accord. Ok. D'accord, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Donc ici il y a le petit musée. Je l'ai visité tout à l'heure parce que j'ai visité quand même un petit peu la map avant de visiter, hein, pour pas paraître comme un gros con. Et on va aller le visiter, voilà. Ici, regardez-moi ça. Et si je me trompe pas, il fait tout à la main. Donc prenez pas tout ça à la lettre, mais il me semble qu'il fait tout à la main. Donc imaginez-vous. Putain, ça. Donc ça, j'avais même pas remarqué tout à l'heure que c'était un dinosaure. Donc regardez les détails, comment il a fait. Regardez, c'est vraiment très réaliste, sérieux, que j'ai à lui. Regardez, les petits pics sur le dos, hein. Très sympa, Tosh, voilà. Donc ici, il y a d'autres petits trucs, donc une espèce de dinosaure à aile. Voilà. Ici, il y a... Ah, regardez, il y a un petit... Non, une partie. Ok, d'accord. Attendez, là, il y a une route. Ouais, ici, il y a le stade, donc on va aller le visiter avant, on va aller voir ici ce qui se cache, parce que j'ai pas encore été... ok, d'accord. Oh, putain, c'est un tunnel assez long, on va dire, donc... ok, ça, je crois que ça donne par l'intérieur du musée, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu un escalier. Oui, ça... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on peut aussi continuer et aller ici, mais ça, c'est pas... Ça, c'est pas recommandé, voilà, c'est pas pour les familles, voilà. On va fermer la porte. Ici on n'aime mieux pas y aller non plus, hein, chez... Voilà. ici on va aller à l'autre bout du tunnel, voilà. Allez-y les amis. Ok, d'accord, j'arrête. Oh putain. Ah, est-ce qu'on est sous l'eau? Ouais, on est sous l'eau. Vraiment très sympa. Donc il va où ce tunnel, putain? d'accord, ok. Ah d'accord, il a pris une dalle de grès, d'accord. Je vais recacher le petit menu, voilà. Est-ce qu'on est vraiment sous... là je sais plus. Donc voilà, GG à lui en tout cas pour avoir fait tout ça. Est-ce que ça va nous amener à un endroit spécial? Ici la seule route de la ville, mais on s'en bat les couilles. Alors, regardez ça ici, ce... Non mais regardez ça. On pourrait se mettre ici comme ça et l'observer et dire tout le temps, parler de cette image pendant des heures quasiment presque. Regardez, ici il y a une espèce de monorail qui se divise. Ici voilà, et regardez les 6 tours, donc ici un complexe. On va aller dedans. Ok, d'accord, je crois que c'est un métro, donc on va pas y aller. Ça me tente pas de me de passer du temps dans le métro et voilà, de savoir rien quoi faire, voilà. Regardez, oh putain. Regardez comment c'est nice. Le complexe de gratte-ciel, voilà. Avec l'espèce de toit en... Ah, d'accord, une continuité, en fait, voilà. Le toit en vitre, voilà, les petites antennes. Ok, d'accord, c'est nice. Là, on peut y échanger, là, voilà. Ok, le petit truc en triangle, voilà. La terrasse en vitre. Oh, putain. D'accord. Et ici, on peut rentrer, voilà. Oh, d'accord, c'est nice. Et ici il y a ça, donc voilà, désolé, je sais pas trop quoi dire parce que je suis étonné, voilà, et je suis pas habitué à faire des visites de ville futuriste, non, pas vraiment. Voilà, donc
Ici, c'est... Ok, d'accord, je croyais que... Est-ce que c'est le shader qui rend mal ou... Ok, d'accord, ça c'est de l'eau. Non, c'est pas... Ah, d'accord. Donc en fait, c'est pas collé à l'eau, c'est une espèce de terrasse. Mais avec le verre, on a l'impression que c'est... Ok, d'accord, c'est sympa. Donc, on peut... voir, waouh, regardez-moi ça, c'est non mais c'est vraiment nice, c'est construit au-dessus de l'eau. Ici il y a un gratte-ciel, voilà. Ici il y a un gratte-ciel GG, il y en a partout. Ah regardez la petite fontaine, vraiment très sympa, grand avec mon shader, donc c'est comme c'est nice, espèce de petit effet de reflet comme ça. Oh c'est tellement joli, putain. Alors, on va visiter ce hôtel. Ah, il y a un hôtel là. Ah, d'accord. Ici, c'est en vrai les tubes pour les égouts, je sais pas. Il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Donc, ici. Ah, d'accord, c'est en 3. Ah, ok, d'accord. Oh, c'est nice quand même. Mais je sais pas pourquoi il y a mis un plus au milieu de ce truc, voilà. Mais c'est quand même assez nice. J'adore. Je kiffe. Je like. Donc, ici. Ok, d'accord. Plus, ok d'accord. Ah attends, plus parce qu'il y avait un plus sur la montagne. Ok d'accord. Je vais pas dire ok d'accord. André, j'ai rien à dire. Voilà. C'est quoi ce bruit-là? Donc ici, waouh, putain, nice cette tour, hein. Regardez, le violet qui rend vraiment bien. Donc on peut pas aller mettre. Voilà. On peut pas mettre la nuit parce que. C'est le créateur qui a décidé, hein, voilà. Mais voilà, j'ai essayé tout à l'heure mettre le jour et voilà. Donc là, on va le voir de nuit la ville. C'est vraiment très sympa. Je vais juste checker un peu. Elle est rendue à combien? Donc 6 minutes 50. Oui. Donc ici, j'avais encore un gratte-ciel. Regardez. Oh putain, il est haut, hein. Voilà. Ça s'éteint à perte de vue. Bon, ici un complexe de gratte-ciel, encore une fois, donc le mec qui s'en bat les couilles. Ok, encore un gratte-ciel, encore une tour, voilà. Et ici, ah d'accord, une pyramide, ça c'est quoi ça? Regardez la nuit, comment c'est nice. Non mais la nuit là, sérieusement, moi je trouvais que le shader rendait pas bien sur mes villes. Mais sur cette ville, je trouve vraiment que ça rend bien, regardez. C'est même, le constructeur s'est même forcé pour faire que la nuit, ça rend quand même assez bien, regardez ça. C'est nice, hein? Le truc de couleur et tout, voilà, jeu de couleurs. Donc ici on peut aller non on peut pas y aller à l'intérieur. Peut-être ici par ce petit passage. Est-ce que c'est rire là? Oh putain, ok d'accord. Ah d'accord, ok, un espèce d'écran tactile. Merci Windows, n'est pas authentique, je suis en... voilà. Qui paie Windows 200$ et après c'est fou qui voilà. Ok d'accord, c'était juste une espèce de petite pyramide, voilà. Donc moi cette pyramide sérieusement a fait vraiment penser à un hôtel à Las Vegas, donc je me rappelle plus du nom, mais en tout cas c'est une pyramide. L'hôtel en fait c'est l'Égypte, en tout cas un truc comme ça, et l'intérieur il a la forme d'une pyramide en fait, et les sommes sont genre collées après les murs. Et l'intérieur est genre un intérieur, une pyramide intérieure. Bon, en tout cas, c'est dur à expliquer, mais je vous mettrai une photo là. Là, vous le voyez sur la photo que j'ai mis, voilà. Donc, vous comprenez peut-être un petit peu mieux ce que je veux dire, mais je me rappelle plus du nom de l'hôtel, mais je vais la retrouver, voilà. Donc, je crois qu'on va cesser là-dessus. Hein. Ça commence à faire un petit peu longtemps, donc 9 minutes. Si vous avez aimé, mais... voilà, hein. Si vous avez aimé cette... Oh, d'accord, j'avais même pas vu ce truc. L'espèce de truc qui revient, d'accord. Donc, si vous... je suis pogné dans l'art. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Commentez aussi, allez voir la chaîne de Zimu, le créateur, téléchargez, voilà, allez voir ce que c'est pas, c'est un de mes compatriotes québécois. Compatriotes, voilà, je dis n'importe quoi. Donc voilà, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, il n'y aura pas de vidéo de la semaine prochaine, c'est pas parce que je suis mort, j'ai arrêté YouTube, voilà. Juste en voyage pendant une semaine. Donc voilà, donc nous on se revoit dans le prochain vidéo, donc à plus!